Ce n'est pas une défaillance de vos écrans. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons au pixel près vos images. Nous pouvons vous noyer sous un millier de gameplay ou dilater votre pupille avec une simple image jusqu'à rentrer dans la zone et même au-delà. Nous pouvons vous modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir et même au-delà. Et je vous invite surtout à un test, un avis, une critique. Ce n'est qu'un début. Et on est parti pour se pencher sur un gros jeu, un jeu qui est un monument pour moi. On va faire un test, un avis, une critique sur Red Dead 2, un jeu édité et développé par Rockstar Games, sorti sur PS4 et Xbox One. Scénario. En 1899, soit 12 ans avant les principaux événements de Red Dead Redemption, suite à un braquage qui a mal tourné dans la ville de Blackwater, la bande de Dutch Van der Linde est traquée par les agents fédéraux et les chasseurs de primes. Prenant la fuite vers l'est, le gang commet de méfaits sur méfaits pour survivre. Bien que des querelles internes menacent de disloquer la bande, les bras droits de Dutch Arthur Morgan est lui aussi tiraillé entre ses propres idéaux et sa loyauté envers la bande qu'il a élevée. Un bon scénario bien écrit, mais surtout des personnages fort attachants et super bien écrits. La direction artistique et graphisme. Direction artistique et graphisme. Claque du jamais vu, un open world techniquement époustouflant. Tout est détaillé et les distances d'affichage énormes qui donnent des panoramas somptueux. Tout est éclatant, la lumière du soleil, la lune, le feu, l'open world est vaste et cohérent. Surtout vaste et surtout cohérent, ce qui approfondit ce sentiment d'immersion et de simulation. Je prends beaucoup de plaisir à me balader et contempler ces panoramas, ce paysage magnifique, ces animaux qui vivent, ces villes et villages qui vivent, tout est vivant dans Red Dead Redemption 2. Gameplay et IA. Les défauts du jeu et les deux d'ailleurs, le gameplay un peu lourd et il y a plus bête que mes pieds, mais qui est contrebalancé par un grand nombre d'ennemis à abattre, les touches qui font plusieurs actions, donc certaines touches qui servent à faire deux actions différentes, la lenteur du jeu mais qui est un parti pris, et Morgan qui est lourd à diriger. Petit conseil de gamer, n'hésitez pas à basculer de vue en vue, un exemple pour les phases de gun, je me mets en vue FPS, en mode FPS pour de l'exploration, en plus Morgan est plus rapide en mode FPS, je passe en vue à la troisième personne pour des phases d'infiltration et les parcours à cheval. Malgré un petit temps d'adaptation pour le gameplay et d'accepter les règles du monde de Red Dead Redemption 2, comme ne pas traverser une forêt pleine d'arbres au galop, éviter de frôler des passants sous peine que tout bascule en votre défaveur. Des délicatesses et brutalité règnent dans ce monde où vous pourrez être un Saint-Maritain ou un bandit selon vos choix. L'Unity est une très bonne expérience, un plus avec une petite histoire différente mais qui permet de démarrer dans ce monde à plusieurs et croiser des PNJ ou des vrais joueurs, une bonne expérience en plus si on a kiffé le mode principal. Sound design et musique. Un jeu où le sound design est maître, où il faut bien sûr le prendre
comme exemple, où chaque son y vivant, même les mouches qui passent pas loin de vos oreilles, arrêtez-vous dans une forêt près d'un ruisseau et prenez plaisir à écouter tous les sons de la nature. Côté musique, c'est la BO 2018, une musique si belle et si triste, tout est merveilleux et fait penser à cette époque sauvage et admiratif. Woody Jackson est le compositeur de Red Dead 1 et 2 et aidé par une équipe bien sûr que je vous invite vraiment à écouter cette BO. Les plus, les moins. Les moins, il y a le gameplay, des heures d'investissement, accepter les règles du monde de Red Dead. Souvenez-vous, l'endroit où vous vous sentiez le plus en sécurité, le plus confortable, le plus aimé. Cet endroit n'existera plus jamais. Conclusion, ressenti. Un jeu qui divise, un jeu avec des partis pris, un jeu d'auteur à gros budget qui n'est pas pour tout le monde. Il faut accepter, accepter d'y mettre du temps, accepter les règles du monde, accepter de rentrer totalement dans le monde. Et si vous acceptez, si vous faites un effort, le jeu vous le rendra. Je me suis complètement plongé dedans. Et ce monde a été vivant. J'étais complètement submergé par ce monde. Chaque kilomètre parcouru avec sa monture était vent d'aventure et d'histoire à se remémorer. Épique, drôle ou triste. Et la peur de perdre votre monture est présente. Votre cheval sera notre chair dans le monde de Red Dead 2. J'y ai joué sur PS4 Pro. Aucun bug marquant. Aucun pénalisant. J'ai joué environ 100 heures de jeu. Et j'ai eu les crédits de fin en. Et je lui mets la note de 4 sur 5.
this with you. And listen, we didn't take it, at least not without orders from... Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra $10 if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. All right. Next stop, the Rhodes Saloon. Here we go. So I finally sold those Cornwall bonds. Got close to 1,000 for them. I wanted more, but not bad considering how hot they were. Especially after that bloodbath in Valentine. Oh, not bad at all. Apparently, Cornwall's been pumping a lot of cash into the Pinkertons. Wants to keep their full effort on going after gangs. Gangs like us. Yeah. That don't surprise me. Yeah. All right. This could get ugly. You and Dutch already have that thing going on in town with the sheriff. Yeah, Mr. Gray. That's it. Now we're inserting ourselves in his blood feud. We'll need something. I ain't playing dress up. You know how I feel about that. Of course you're not. You're a clown's idiot brother. Hosea, please. I'm the clown. You're the idiot. Just look sad and keep quiet. Even you can do that, Arthur. Oh, I have to. Put this hat on. Smoke this pipe. Bring your lip forward. Just a bit. Squint. Oh, perfect. What about you? Oh, shh. You can't speak. You're turned idiot. Right? Broke poor Mammy's heart. There. Fenton, there. Don't get mad now. Huh? Okay, Benton, stay calm now. For Mama, she loved you so. Just a shame you had to strangle her in a rage, right? Grab two cases of that stuff and follow me. Him, don't madden him. He's turned idiot. Killed our mother, but it weren't his fault. How'd you boys like a couple of bucks? I bet you would. One for each of you. We're in the new trade of advertising, which is an American art form about ensuring people buy the correct things. I don't know. One more dollar. Says give us half an hour. What harm can we do in half an hour? Go along now. Enjoy the money. Come along, Fenton. Let's hand out the liquor. Gentlemen! My name is Milton. That's my brother Fenton. He's a bit funny, but boy, can he pour drinks fast. For the next 30 minutes, the drinks in this here bar, in this here town, are entirely free! Yeah. The only rule is that you gotta drink them, so hurry up, put old Fenton to work! Don't get him mad, though. His mama made him mad, and we buried her. Poor thing.
Now come up to the bar, everybody. Come on, fellas, it's your luck. I'll have one, Ben. Three drinks. A gift. Bounty. It's a sin to look a gift horse in the mouth. When I see a gift horse, I have to work my eyes. Oh, that's some strong stuff. Sin won't catch us. Just keep them coming. So drink up. Don't be shy, boys. Don't be shy. It's the way to do it. Mr. Gray won't be happy about this. Good evening, gentlemen. Quiet libation. You. Me? You're the bastard who stole the liquor we was gonna buy. Jump, we're in advertising. Come on in and have a drink. That's our goddamn liquor. An honest mistake. Boys, get him. Oh, what the hell? No. It's the Lamorne Raiders. Both those sons of bitches dead! Raiders! Ain't gonna let this go, are they? Over there! They got our back!
Got more coming after us. Think so. Jesus, all this over a few bottles of booze? I reckon it's more they don't want another gang on their patch. Okay, pull off the road here. All right, we're good. Yeah, remind me never to take up a career in... What was it? Advertising. Yeah. You think that woman set us up? No, I don't think so. Maybe. This place is odd. I keep seeing those fellas. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition. I'll go visit old Ma Braithwaite. See what's what. Why? We've been making money. The chest is filling up again, slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now, let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as, well, let's call it a peace offering. Sure. That was fun, Fenton. We'll make an actor of you yet. I'll go speak to Dutch. So, what do you think? About what? Fine folks around these parts. Oh, real nice. Exactly. On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich as Croesus. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe. In gold. And in the middle of it all, you got some inbred retelling of Romeo and Juliet. Exactly. So what you boys thinking? We try to rob them both. You sure? Why not? Because we got lawmen in three different states after us. Last thing I want is to get us into trouble, but we need money. Now, we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something ain't nobody gonna know we was here. Because even without us, these fools are gonna kill each other anyway. Okay, well, Hosea's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Hosea should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor, too. Now, you can meet up with them.
Or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaite's prize horses. Well, how the hell did we get an inn at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. We gotta convince each family that we're on their side. And then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy. Payback. I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. Stay away from me. Oh, but I got a tip. That's exactly what I'm afraid of. Oh, it's a goodie, I'm telling you. It always is with you. Then we end up hidden in a burning barn getting shot at. You're a sad man, Arthur Morgan. Sad man indeed. Well, I should get back to it. Yep, yep, okay. Arthur. My lady. Hi. Keeping out of mischief? Yes, unfortunately. All right. Leave you to it. Okay, then. Good evening. Hello, Arthur.